Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Vous êtes là depuis quand vous faites un moment? Depuis mercredi. Vous êtes là, vous êtes venu pourquoi? Au fait, on est venu, c'est ma grande semaine qui m'a dit on n'a qu'à venir. Vous m'avez pas de questions? Oui, pour une délivrance. Ah, pour... Je n'ai pas dit qui t'a fait venir. Le français, je parle. Moi, c'est pour une délivrance. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qui t'a fait venir. Une délivrance, bon. Je me sens malade, tous les petits trucs. Là, j'étais venu pour une délivrance. Ah, c'est ce que je veux entendre. Mmh. C'est la personne qui t'a fait venir là. Qu'est-ce que tes motivations? C'est que t'as compris ici. Donc, bon, je t'informe qu'ici, si on délivre les gens. Donc, tu es venu à une délégation, c'est ça? Oui. Tu es venu dans le bureau, tout ça. Moi, j'ai un don. Je t'explique comment ça fonctionne. Peut-être que tu ne sais pas. Comme c'est la première fois que tu vois le prophète Crasso, j'ai un don de ça dans ma tête. Voilà, c'est pas le visage de quelqu'un que je vois. Dès que je vois la personne, le contact d'un sorcier, ça se déclenche. Et ici, on a un principe. Quand un sorcier, on met la main, le sorcier fait des aveux. Public. Ça veut dire, nous, on ne cache pas. Et pour eux, là, c'est caché. Nous mettons ça à la lumière, parce que nous sommes lumière. C'est à partir de ce principe-là qu'on délivre le sorcier. Quand l'esprit est humilié, détruit, c'est parce qu'il y a des principes bibliques. Jacques chapitre 1, 5, verset 16. Confessez-vous les péchés les uns les autres, priez pour les uns les autres afin que vous soyez délivrés. Nous ne sommes pas la première expérience. Nous sommes déjà plus de 8000 sorciers délivrés. Voilà. Donc ça marche. C'est une méthode qui marche toujours. Mais aucunement n'a jamais ici maltraité un sorcier. La preuve, depuis que vous voyez ici, on n'a jamais forcé quelqu'un. Mais si on ne force pas. Si tu ne veux pas parler, il y a la porte ici, puis tu t'en vas. Voilà, donc ta maman elle est sorcière. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, toi et moi on ne se connaît même pas. Est-ce que vous voulez qu'elle soit délivrée? Même méthode j'ai fait pour les autres là, j'ai fait ça. Demain, on n'aura pas de problème. Hein? Non. Bien madame. Elle parle français? Oui. Tu comprends quand même. Tu m'as dit de la délivrer, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la même chose. Celui qui ne veut pas ma méthode, il y a beaucoup de pasteurs dans Côte d'Ivoire. Il n'a pas parti. Sorcier, sorcellerie, non, je veux ça. Mais nous aimons l'être humain. Voilà. Donc nous, on filme, hein. Tu es d'accord avec ça? On va filmer ça. Venez, madame. Est-ce qu'elle parle pas français? Celle-là, c'est qui? Ah, elle dit, c'est ta fille. On t'a forcé pour reconnaître la sorcellerie ou bien tu es sorcière? Demandez-lui. Non, non. Il n'y a plus. Non, pose la question. Même si elle est rapide un peu. Nous en forcé ou bien aïe, on dit tout. Elle est vraie sorcière. Qui lui a donné ça? On est en haut. Non. Comment? Pour nous amener son. Ouais. Ouais, il y a tout pour. Elle n'a qu'à parler un peu fort. À vous fort.
La viande de l'homme, elle lui a donné pour manger et elle lui a dit c'est la viande de l'homme je t'ai donné et elle a passé Kaolaire dans cette vie. C'est sûr. Mm. Donc elle était encore petite. Mm. Donc elle a grandi avec ça. En essence, en ébéi. Ça veut dire qu'elle a fait beaucoup de dégâts. À doigt de tout, à pas de tout. Hein? À doigt de tout. La sorcellerie, c'est pas pour t'amuser. On va pas dans la sorcellerie pour jouer. Si on t'a donné que tu as grandi avec, ça veut dire que tu as fait assez de dégâts. À piller, ou bien, ou bien, ou bien, c'est que Manuel de tout, à doigt de tout. Hein? À moi, à doigt de tout. La vieille. Tu as dit tout de suite, politique, elle a dit que lui ont donné la sorcellerie. Ça veut dire que ce n'est pas d'elle-même. Elle a un nian, mais elle a un mais elle s'est à moi qui a un goût, un nian, mais. Ok. Donc, c'est pour cela qu'on veut l'enlever ça. Il faut dire que c'est pour cela qu'on veut l'enlever ça. Et qu'on doit avoir un nian, mais ça. Ça veut dire que ça ne vient pas de toi, c'est quelqu'un qui t'a donné. Voilà. Donc, on est prêt à t'enlever, dis donc. Mais avec sa complicité. Il faut que la moyenne qu'elle soit à mesure d'avouer de dire ce qu'elle a fait et nous allons prier pour que qu'elle puisse vraiment quitter la sorcellerie. Il faut que la moyenne de retour à nous aller à l'initi à l'initi de retour à nous à l'initi ou à l'initi ou à l'initi ou à l'initi ou à prier nous voyons où est ça. Il faut que la moyenne à l'initi mais vous êtes venu à l'habiter déjà. On t'a délivré. Donc c'est en train de bas. Esprit n'y a rien. Voilà, tu as bien expliqué. Esprit n'y a rien. Esprit qu'on dit. Mais nous y est ça. Mais nous avons bâti. C'est à mon union tout ne. Mais nous avons bâti. Esprit n'y a rien. Moi j'ai dit mais moi j'ai dit bah moi j'ai un ça. N'y a rien. Hein. Et bien hier. Ouais pour aller où hein. Et de bas manu. Sa grande lui a donné la sorcellerie et elle a grandi, elle a fait des enfants, elle a tué 4. Non, voilà pas ça part. Je lui pose la question. Comme elle a grandi avec, c'est qu'elle a fait beaucoup de dégâts. C'est des questions, c'est oui ou non. Dans tout ce que j'en ai fait, il y a trois éléments que je recherche. Comme je suis un expert, il y a trois choses que je recherche dans ces avis. Si elle a fini de dire ça, je commence tout sur la vidéo. Anna, on ne précipite pas les choses. On regarde et puis on lutte dans la prière. Si vous ne me voyez pas, je suis dans la chambre en train de prier pour vous. C'est comme ça que je suis. Sinon, il était vu. T'as compris? Moi, là, j'écoute ce que vous dites dans vos cœurs, là, je vous connais. Parce que vous, les sorciers, là, il y a oui, là, ça vous fatigue. Ils aiment sur le terrain de non. Où est-ce justifié? Or, je travaille avec oui et non. Comme ça, ça va très vite. Elle a tué beaucoup. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? C'est à fond. Très bien. Voilà. Elle veut quitter, non? Pour quitter, il y a un principe.
C'est-à-dire qu'il faut avouer ce que tu as fait. Est-ce qu'elle est prête pour ça? Bon, il y a eu des noirs, des douanes, et même à tout le monde, il y a eu. Est-ce qu'elle nous prenne à y voir tout le monde, il y a eu. Très bien. Faut pas soumettre le prophète, parce qu'il le connaît. Faut pas rentrer ici, rentrer ici. Il faut le répéter. Est-ce qu'on l'a forcé? Est-ce que nous l'avons forcé au. Vous le dites, sorcellerie là, c'est quoi? Ça fait quoi? Des goudas, des goudas, qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un a sorcier, il fait quoi? Nous on dit goudas, des goudas. Oh, elle tue les gens, garde, fait des choses, transforme. Voilà. Donc c'est ce qu'elle fait. Mais ah non. Ah, donc c'est pas bon. Faut lui dire non. Mais tu es obligé de faire, c'est ça non? Non, tu poses pas la question. Donc tu es obligé de, tu fais ça. Quand on gré, c'est-à-dire elle est obligée, elle fait ça parce qu'elle n'a pas envie, mais elle fait. Ah c'est bon, y'a nous, mais ah non. Hein. C'est ça non? Ça veut dire qu'il y a un esprit en toi. Et elle est dedans, quand les gens s'en vont, elles sont aussi. Maintenant, nous, on veut l'enlever dedans. Maintenant, toi, il faut comprendre que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est basé sur la vérité. Ce que tu as fait là, tu dis, et puis on t'enlève du diable. Or, si tu veux rester là-bas, tu restes dans l'esprit du mensonge. Que tu veux jongler, mais le diable, là, tu vois comme son élément. Là où tu es arrivé, il faut vouloir quitter. Nous, on va t'enlever. Le dernier, on est à nous, moi, quand. Et toi, tu es non, tout le monde va savoir, il y a toi, tu es tout le monde, on est à nous, on vit. Il faut qu'il y ait toi, tout le monde, il y a toi, il y a un monde, il y a moi, il y a un prière, il y a un. Hein? Ok. Mais quand maman aspire la sorcellerie, c'est pas bon pour ses enfants. C'est pas bon. Donc quand on va te délivrer, tu seras une bonne mère. Nous on veut que tu deviennes une bonne mère. Il faut lui dire ça. Que vous délivrez, vous boblez, nous, hein, vous essayez de moi. Que bon, on a délivré à être des douanes, à nous, à des douanes. Donc, on est d'accord? On est d'accord, mais. Mais nous, moi, j'en ai fait tout. Et ses enfants, après la dernière fois, tous ont commencé à pleurer. Et elle veut quitter dedans pour que ses enfants lui donnent à manger. Oui. On a eu le monde, mais on lui a dit de quitter la maison, elle n'a qu'à rentrer chez elle. Non. Voilà, délivrer, elle va regagner la maison. Quelle a chassé? Qui l'a chassé? C'est ma grande soeur. Non. Tu peux compter sur moi. Faut lui dire, elle peut compter sur moi. Personne ne peut te chasser. Faut me faire confiance. Si elle était délivrée, elle dit quoi? Elle dit, elles ont peur, c'est ça. Non! Elles ont peur parce que tu es sorcière. Mais tout à l'heure, tu seras plus sorcière. Elles vont avoir peur de toi. Ah oui? C'est normal qu'elles aient peur. Mais nous, on ne va pas se limiter à sorcellerie. On va te faire sortir dedans. Si on te fait sortir dedans, on va les rassurer que tu es délivré. Elles doivent te prendre. Parce qu'un parent ne choisit pas. On ne choisit pas un parent. Si tu as la possibilité de l'aider, il faut l'aider. On va t'aider, tu vas sortir. Et si tu es sorti de la sorcellerie, personne ne peut te jeter de mettre. C'est ce qu'on a fait. Personne. Moi, j'ai protégé des gens ici. Je continue de le faire. Non, on ne dit pas de 10 ans, c'est depuis les gens te jettent. Si on te jette demain, moi, il y a une maison pour te loger. Il y a une maison ici. Oui. Un être humain, elle s'est retrouvée. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, vous qui êtes là, vous, ces enfants. Elle a dit tout à l'heure, on l'a initiée. Et sur ce principe de l'initiation, ça ne vient pas d'elle-même. C'est quelqu'un qui lui a donné ça. Donc elle fait un travail de Satan. Depuis quand vous avez vu son sorcellerie, on va à Sokosé. Ou un King Cash, ou même la pharmacie, tu vas acheter sorcellerie dans le supermarché. Et lui, on donnait ça.
Et puis d'ailleurs, nous qui sommes en train d'écouter les sorciers, là, c'est une grâce de Dieu qui fait qu'on n'est pas initié. C'est une grâce de Dieu qui fait qu'on n'est pas initié. Tu veux maintenant quitter? Ok. Tu as tué? Déjà. Toi qui étais prête. On va courage. On va aider ta maman à quitter dedans. Hombre. Il faut prendre le courage en main. Tu es avec elle tout le temps. Je t'ai têté même sain. Tout le temps. Elle a préparé son square. Plé, bas. Tu as tout mangé tout seul. Maintenant, on va l'aider. Hein? Ouais, t'as compris? Il faut voir ta main comme une malade. Et qu'on doit délivrer. Voilà. Ne voyez pas l'aspect. Ah, les sorciers. Si vous venez avec vos sorciers sur ce but-là, pour dire, ah, ils vont parler, puis après vous allez les rejeter. Nous, on n'a jamais les rejeté, nous autres. C'est des êtres humains. On n'aimait pas la poubelle. Jésus m'a besoin d'une vilaine personne. Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont plus nouvelles. Toi, elle a tué combien de personnes? Ses enfants, sinon tu as beaucoup de tuer. Il faut laisser tout ça. Tu as la 4. Non, elle nous met 5, elle n'a pas tué 4. Mais elle a quand même donné le nom de 4 personnes. Sinon, elle a tué beaucoup d'enfants. Elle a tué beaucoup de gens. C'est la 5 tuée. Il faut lui dire dans le bureau tout à l'heure, quand elle est rentrée là, elle a fait sortir ses 2 cornes. Faut lui dire ça. Voilà, c'est 2 cornes. C'est les 2 cornes qu'elle utilise. Hé, hey, la vieille. Je vois ou je ne vois pas. Alors, tu dis coin, coin. Quoi, coin? Je ne dis pas, tu me dis coin. C'est pas, je vois que tu dis coin. Mais tu dis oui, là, c'est quoi? Là, qui dit? Je t'ai vu, tu as 2 cornes. Et cornes qu'elle a là, c'est le corne mystique. C'est à partir de ça qu'elle a toutes les informations. Tu vois, non? Donc, elle a voulu. Je lui ai dit, stop. Je lui ai dit, toi, tu es sorcier. Dès que vous êtes assis, je pense à là. Vas-y, vous voulez m'essayer. Oh, ta sorcellerie, là, ici, là, personne ne sort de son corps. Personne. Pourquoi? Vous ne voulez rien avec votre sorcellerie. Vous voulez m'essayer. Mais moi que tu veux, c'est moi qui chante. J'ai plus pitié par rapport à tes enfants. Tes enfants, ils ont dit de chasser. Oh, moi, je ne veux pas te chasser. Je veux te délivrer. Pour que tu puisses expérimenter la bonté de Dieu. C'est pas ça? Tu as tué beaucoup, elle a tué beaucoup. Elle, sa voisine dans les 400 là-bas, c'est pas 4 personnes, c'est plus 4 ans. Bon, on ne va pas trop ramper là-bas. Elle a quand même donné le nom des 4 personnes qu'elle a tuées. Sa voisine dans 400 là-bas, elle a tué autrement. On a là-bas une fille, aujourd'hui, mais à taille même, nous n'avons ni à ton 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 ni à mon grand frère Bruno. C'est Bruno, c'est français, mais il n'a pas un autre nom. Bruno, elle a tué quand? Agba Blano. Tu peux savoir quand il est mort? En 2001. 2001. Comment elle a tué? Elle a mis l'âme dans le foutu. Pour que ça déchire. Il a mangé, ça a déchiré. Il a eu une infection. Oui. Il mangeait avec son ami le foutu. Il a pris un coup, deux coups. Et son ventre a commencé à lui faire mal. Et quand on l'a envoyé à l'hôpital, son ami l'a envoyé à l'hôpital, il faisait 22h, 6h, il partait au travail. Là, il l'a laissé là-bas, et puis il allait au travail. Le lendemain, son retour va décider. Et c'est elle qui a fait ça? Et c'est elle qui a fait ça. À mon loin, à mon bord. Mais tu n'étais pas là, elle était au village ou autour? Elle était à Dioukoué, lui il était à Abidjan. Oui, donc tu es retrouvé à Dioukoué, à Abidjan là-bas, puis tu as mis ça dans le poutou. À Mouyo, et puis à Wapoyo, Péo. Comment tu as fait ça? Elle a fait oiseau. Quel oiseau? Ça nous intéresse que vous expliquiez ce mystère. Comment du coup tu te retrouves à Abidjan et tu es en train de transformer le poutou, tu mets l'âme dedans pour détruire l'estomac de quelqu'un? À Noé, tu es ouais.
Et tu allais faire ça. Fais ton profit. Et tu gagnes quoi en faisant ça? De la guerre. Et quand tu es mort, tu as pleuré. Hein? Tu as dit quoi? Tu as pleuré comment? Pour lui dire ça. Ah non, fais un soin. Et pleurer comment tu as pleuré au village? Son fils lui a pas donné à manger. Faut pleurer comment tu as fait au funérail? Tu es tombé, tu as crié. Tu es tombé. On l'a attrapé. J'ai dit, quand il est mort, elle a pleuré. Tu as dit quoi quand tu pleurais là? Tombé. Mais c'est toi qui as mangé. Elle a perdu connaissance même ce jour. Donc tu jouais la comédie. C'est pas bon. Donc tu jouais la comédie alors. Ah, pour serrer des. Oh, mon debout, à moi, fin, à blague. La comédie. C'est pitié de sorciers. Non, comédie. Ah, comédie de sorciers. Comédie de sorciers. Et tu l'as mangé? Adieu. Attends, tu fais comme ça. Tu l'as mangé, oui ou non? Quelle partie? Sa tête. Meilleur d'elle. Son cœur. Ton cœur. Tu as tué qui encore? Il y en a qu'un. Mon grand frère, le papa de ma fille. Il est mort quand? Le 6 juillet 2009. Ah, 2009. Ah, c'est fini là ici. On pleure pas, hein? Ok. Tu l'as tué comment, Gérard? À mon garçon. Ah, tu l'as étranglé. Tu l'as transformé en quoi? Pour manger. Il est resté dans son sommeil. Il est resté dans son sommeil, non? Il ne s'est pas réveillé, il ne doit pas vivre. Donc c'est clair, donc elle a lui étranglé la nuit, il ne sait pas, c'est plus réveillé. Vous voyez comment nous, pourquoi nous combattons la société? C'est pas amusement la société. Vous êtes délivrés maintenant les enfants là. Les sorcières. Venez, venez. C'est qu'on a délivré. Je vais revenir ici. Le temps que les gens se calment un peu. Je sens que l'atmosphère est tendue de façon rayante, tout ça. Ça va? Venez délivrer. Attends, va pied. Et on mange ça là. Maintenant tu vas. Ça a checké à Bojama. Ça va? Pourquoi toi tu as les difficultés de regarder les gens dans les yeux? Oh, pourtant la nuit tu vas regarder dans la narine des gens pour les tuer. Vous êtes content? Hein? On vous a soulevé, vous êtes content. Dans un pays là-bas, là longtemps, vous a brûlé, mis dans le feu. Allez vous asseoir. Le sorcier. Ok, on va reprendre. Ouais, donc tu as tué, comment s'appelle le monsieur qui l'a tué? Gérard. Tu l'as mangé? Quelle partie? Oh, d'accord. Adieu. À Sordi. Elle n'a pas mangé. Si, elle mange. Un sorcier tue, il mange. C'est un principe. La vieille, attends, la vieille. Il faut laisser à faire ce qu'il tentait de dire. Tu as commencé, on n'a qu'à terminer. Il y a un sorcier, quand il tue, il mange. C'est comme ça. Il tue, il mange. C'est comme ça, c'est le principe.
Elle doit manger sa tête et puis son cœur. Ah donc tu veux jouer moi, de te laisser alors. Hein? Viens te poser le micro, hein. Pardon, papa. Hein? Mais qu'est-ce qui t'empêche de parler? Tu as tué Gérard. On sait que tu as la mangé. Ici, là, tout le monde sait. Quand tu tues, là, tu manges. Tu n'as pas vu quelqu'un qui tue la viande et puis il laisse. Ouais, les gens, tu mets comme viande. Tu as quoi après, tu, depuis là, tu bouges, bouges, bouges. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as chaud? La vieille, là. La vieille, laisse. Donne-moi papier et tout. Tiens. On se tient. Laisse ici. Ça, ça doit être une banque. Ok, tu as tué qui? Après Gérard, tu as tué qui? Après Gérard, il y a Yvonne. Elle est morte quand? Elle, je ne l'ai pas connue, elle est morte. Elle, elle était petite. On peut la manger, Yvonne. Allô? On va manger. Tu as transformé en quoi? D'Azran, on va te voir. D'Azran, Yvonne, on va te voir. Cabri. Cabri. C'est un cabri, hein? La quatrième personne, c'est qui? Non, Mien, Mien, ouais. Rufin. Mon neveu. Comment il s'appelle? Rufin. Il est mort quand? Il est mort après le décès de mon grand. 2010. Tu l'as mangé? Adieu. Tu as attaché qui pour tuer dans cette temps-ci? Non, à Sanya, à Elba. Elle a attaché qui pour tuer? Oui, oui, c'est ça. Sanya. Nous sommes en octobre, non? Non, Sanya Elba. Nous disons Sanya Elba. Il y a un nom, c'est avec nous. Laurentine. C'est qui? Ah, Sarah, ma grande soeur. Elle est où? Elle est en Belgique. Laurentine, tu veux la tuer? Ayoudba. Ayoudba. Tu l'as attaché. Hé! Hey! Pourquoi me regarder ici? Ah, mon gars, mais en tu l'as attaché. Tu l'as attaché. Abaye-moi, elle où? Pour la tuer? Non, je ne peux pas tuer. Non. Tu l'as attaché pour tuer. Ayoudba. Pourquoi? Tu as faim? Hein? Tu as faim? Ah. Donc manger là. Elle comprend. Manger là. On va te laisser manger là-bas seulement. Tu as pu manger ici. Hein. Donc toi tu manges l'homme seulement. C'est ça? Hein? Tu connais pas l'église? Quand tu as sorcellerie là, pourquoi tu vas pas aux gens de dire d'avoir l'église pour te délivrer? Tu dis sorcellerie gâtée seulement. Mais pourquoi toi tu vas pas à l'église? Tu connais pas qu'à l'église on délivre les gens? Hein? Tu veux gâter seulement ta famille? Tu as attaché qui encore? Nous avons 5 nains. Marina. Marina, ma nièce. Ça fait combien? 2? Elle est où? Elle est en Hollande. Tu l'as attaché? À soin. À soin. Pour la manger aussi? À Yodide. Ils t'ont fait quoi? Pour nous entrer. Maintenant tu as gâté qui? Nous en doua. À part les gens que tu as attachés vont manger là. Nous en saigne, nous en doua. Tu as gâté qui? Celle-là. La interprète même tu as gâté. Tu as gâté quoi dans la vie? Les adoua, il m'a conduit. À groupe. Mon mariage. Tu as gâté son mariage? Tu as fait comment? T'as noir. Quand je suis avec quelqu'un, 2 jours, il me quitte. Comment tu fais? Pas non. Tu vois son bruit, mais non, non plus. Elle m'a touché à la main de la sorcellerie, c'est l'odeur là qui est sur moi. Il faut qu'elle explique ça. Quand il tombe. Parce que nous savons un truc en matière de sorcellerie. Quand une personne te dit qu'elle a gâté ton mariage, la personne est ton mari en sorcellerie. Ça, c'est leur principe, ça. Non,
C'est ta femme alors? C'est lui qui est mon mari. Pourquoi tu fais ta maman? Pourquoi me distraire? On a Théo. Bon, là, je peux te dire tout ce que tu as fait sans que je te pose des questions. Faut le reprendre ça. Je peux lui dire tout ce qu'elle a fait sans que je lui pose des questions. Les questions qu'ils sont en train de poser, c'est pour faire des aveux, confessions. Sinon, c'est pas génie. Tu as dit tout à l'heure, tu as touché. Le bras qu'elle a touché, elle avait dit, elle, ta maman, là, elle est ton mari en sorcellerie. Mari de nuit, ça n'existe pas. Si vous voyez des gens couchés, vous en rêve, qui portent le bien de quelqu'un, c'est un sorcier qui fait ça. Ça n'existe pas. Nous, on appelle mari esprit. C'est quelqu'un qui fait ça. Et c'est elle qui fait ça. Quand quelqu'un dans ta vie, quand un sorcier dans ta vie qui couche avec toi, tu ne vas jamais trouver le mari. Et il garde le mari. Tu as chaud comme ça. Non, je t'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que tu voulais dire toute la vérité? T'as dit oui. Pourquoi tu fais un pas devant, cinq pas derrière? C'est quoi ça? Tu veux quitter la sorcellerie? Hein? Mais allons-y sur le chemin de la vérité. Et puis tu rentres à gauche, à droite. Qui te frappe? Qui te met sous une pression? Au contraire, on veut que tu quittes le diable parce que le diable, le père du mensonge. Tu ne dois pas rester dans le mensonge. Faut quitter. Ceux que tu as gâtés là, on doit les délivrer aussi. Tu couches avec elle. Tu fais comment? Ah non. La manière un homme couche avec une femme. Toi, vieux, là, tu as rien pour coucher. Toi, là, tu l'as moins. Passons, les gens couchent avec les femmes, c'est ça? C'est ce que tu fais? La doumabé. Vous avez un mot de rein là. C'est à cause de ça là. Vous marchez, vous êtes tordu. Au lieu de dormir, vous faites autre chose la nuit. La doumabé. Toi, tu es vieille, c'est la jeune fille là, tu cherches la nuit. Tu ne peux pas dormir. La nuit, tu es fait pour dormir là. Hein? Quoi? Dans la nuit, il a mis la vérité. Tu couches avec elle comment? Laisse-la là. Oui, vas-y. Tu fais comment? Comment avec elle? Tu couches comment avec elle? Kawa ne m'a peigné. Kawa est à nous manger. Kawa nous est nos soins. A vous, vous êtes à vous, ma bien, on m'a dit, vous êtes pour nous la croix. Et tu. Ah, c'est là, tu m'as vu. Elle se transforme en un homme. Tu couches avec elle? Et puis tu as fait quoi encore? Et à nos clés. Tu as fait quoi sa vie? La Noël m'a conduit que n'est à vous de la brûler. J'ai pas le temps. L'enfant là. La Noël m'a conduit. La Noël m'a conduit. Ma Noël à mon. On te laisse parler français. Elle m'a attaché. Comment? Tawa. Tawa, nous m'a mis sans soin. Tawa, sans mille. Elle m'a attaché en sorcellerie, ma tata.
mes pieds. Depuis que je suis arrivé, mes pieds sont. Et bien, dans la peine. À son zéro, il s'en va. Elle a caché là. Puis mes pieds. Les pieds. Ah. Dans la peine. Pourquoi? D'ailleurs. J'ai déjà 100 000. Et tu as gâté qui encore? Nous avons deux ans. Nous avons deux ans. À tout le monde, on ne vient pas. Les enfants. Tout le monde. C'est moi qui les connais. Tous ces enfants, c'est petits. Eh bien, on a une longue. Les petits enfants et tous ces enfants. Tu veux qu'on les délivre? Ah bon, on y a délivré, non? Attends. Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que bon, nous avons délivré, non? C'est que ben, ah, tu dois dire, j'ai fait ça, t'as gâté celui-là, gâté là. Bah, ça, bon, nous avons délivré, nous avec nous, John, maman, il doit. Tel John, maman, il doit. Marina, il doit, ou bien Flagno, il doit, ou bien Pélagie, il doit, ou bien Léa, il doit, Kanouka. Est-ce que vous avez Dudi awile o awile sijaka awile awile sijaka awile o awile sijaka awile awile sijaka kaokao mamwe Jésus dao kaokao mamwe Jésus dao si on s'enle mamwe Jésus dao. Si on s'enlève, maman Jésus d'Ao. Jésus, oh, maman, oui. Jésus, oh, maman, ta. Awile, si jaka. Awile, si jaka. Awile, oh. Awile, si jaka. Kao, kao, maman Jésus d'Ao. Kao kao, maman Jésus dao. Si on s'enlève, maman Jésus dao. Si on s'enlève, maman Jésus dao. Jésus oh, maman oui. Jésus oh, maman. Est-ce que tu veux délivrer? Hein? Tu es avec des enfants et tu les maltraites. Maman. Hein? Ta petite fille. Elle a fait quoi? Ça nous rentre. Où tu as gagné, non? Où elle était mariée avant? Oh, Dieu de moi. Oh, prier, non? Elle n'a pas mort, moi. Beau double, bah, gros, bah, tigre, non? Une maman, tu as bien, tu as double. Qu'il respecte ce dernier, ne respecte pas, il insulte les gens et elle a prophétisé pour dire si elle est avec lui, elle doit pas. Est-ce qu'elle quitte là, qu'elle va se marier à quelqu'un d'autre? Elle va enfanter. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a nos pépés. Tu as gâté quoi? Il y a bon moment. Il y a doyé au moins. Il y a doyé au moins. Non, 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 pas du tout. Elle a gâté son enfantement. Non, pas du tout. Ah bon, elle a gâté son enfantement. Comment tu as fait? Kawanon. Kawano, wadoua, wadou, de wadou, doué, kouni, wawano, kanon en son. Oué, de l'engrin de di, oué. Ya pou n'engrin di, oué. Ta pou, ta pou n'engrin di, oué, ta pou. Elle a mis braise dans un chiffon pour jeter. Braise? Dans un chiffon? Elle a parlé, pour faire quoi? Wa, agouye, pui. Kada. Elle a enterré à Poigou. Hein? À vous, Mali. Vous voulez mettre des prix, c'est gratuit de la maison. Non, là. C'est celle-là. Tu as fait quoi? J'aime bien les répétitions. Tu as fait quoi? Canoë. Canoë, tu es. ACD. Elle a mis braise dans le chiffon pour enterrer. Pourquoi? D'ailleurs, c'est là.
Qu'il ne respecte pas, il insulte, que tant qu'elle est avec lui, elle ne doit pas enfanter. Donc tu as gâté quoi? Mais why do that do? Why do that do? Why do? Why? Why? Son, où l'enfant se trompe là? Se trompe. Tes propres enfants, tu les gâtes. Ça te fait comment? C'est la seule que tu as gâté? C'est tout? C'est tout? Moi, ma fille qui est en Hollande, elle a gâté aussi. Tu dois son. Tu veux délivrer? Faut réfléchir. Est-ce qu'on t'a forcé? Donc moi je suis ici là, il y a ton temps. Ah stop. Donc ici là, je suis là à côté de toi. Je suis là à côté de toi. Je suis en train de t'aider. Hein? Quoi? Est-ce qu'on te force? Yasmine. Tu parles français maintenant. On te laisse parler français à sa soeur. Elle a enlevé ma fille à la maison, elle est chez les Blancs. Elle a enlevé ma fille, ma grande soeur, elle est logée chez les Blancs. Ça veut dire quoi? Au fait, ma fille même n'est plus à la maison. Depuis un certain moment, elle est allée voir les autorités pour dire que ma grande soeur la maltraite. Ah, ok, maintenant je comprends. Donc, le service social a pris l'enfant. Donc, ils ont arraché l'enfant pour donner une famille d'adoption. Bon, ils ont un camp, c'est là-bas l'enfant est pour l'observer. Pour l'observer, pour voir son caractère. Et c'est toi qui as fait ça? À mon nom. Comment tu as fait? T'as noyé nos soins. Ah, tu vas à Hollande? T'as noyé nos soins. Au beau qu'un pas, au beau moins. Elle a changé son cœur, elle a enlevé son cœur. Mais où elle a trouvé? Tu es à Londres là-bas? Dakar Nogué, Dakar Nogué, tu es parti là-bas? À Mouenia. C'est Mouda. Mais où tu l'as trouvé? Où ma fille a appelé, quand elle causait avec elle, c'est là elle a fait ça. Ah, dans le téléphone? Le téléphone, oui. Comment tu as arrangé? Voilà, ça m'intéresse, que tu expliques. Kawanoé, non. Tu nous expliques ça. Dans le téléphone, tu t'as fait quoi? Kanoé. Tu as fait que les gens ne vont pas vous appeler. Kanoé, non, c'est le téléphone. Tu peux les conneries. Yasmida, non, ou bien. Dans le téléphone, c'est ça? Le téléphone, oui. Kanoé, non, c'est le bien. Moi, je suis un scientifique, donc j'aime bien les démonstrations. Ça dit c'est la fille Yasmine, c'est ça? Non, elle est fille. Mets ça ici. Je vais démonter le téléphone. À toi, donc. Ça, le téléphone est cher. Bon, ça dit, moi je suis Yasmine, hein. On fait petite démonstration. Toi, tu es la vieille. Moi, Yasmine, j'appelle la vieille. Ma mémé, pour parler à toi. Maintenant, comment tu as changé mon cœur? Kanoa paye failli pour soin. On est en Yangoua, Kanoa paye failli pour soin. Non, pendant qu'elle parlait avec toi, c'est ça, non? Elle parlait avec sa mémé. Comment toi, tu as changé son cœur? Parce qu'on est aimé, on est boua. À nous, on est boua, la pouvoir faire faillir. Moi, ça m'intéresse que tu expliques. Le téléphone. Maintenant, on est aimé, t'as noyé nos soins. Vous êtes en conversation, et toi, comment tu fais ta démonstration de sorcellerie? Que quand elle a appelé Yasmine, elle lui a demandé, ils étaient en communication, que tu es où? Elle dit, je suis chez une de mes amies. Elle dit, bon, reste là-bas,
ne vient plus à la maison. Là, ça, automatiquement, elle a changé son père. Ah. Fille, ma fille n'a plus... Elle n'a pas eu le courage. N'a pas eu le courage de revenir à la maison. Au lieu d'échanger cœur pour avoir beaucoup de l'argent, toi viens la montre, viens t'enterrer, t'as mangé. Stop, je suis pas dans tes conneries là. Papa, tu gardes tous tes enfants. Tu sais pas qu'avoir une grande mère, c'est des valeurs. Hein? Elle prend la peine de dire, mon grand-mère, tu... demain quand on vous dit que vous êtes sorcier, vous m'accusez de sorcellerie. On vous approche plus, non, mes enfants ne m'approchent plus. Mais on t'approche, tu gâtes. Pourquoi tu fais ça? Le seul problème, que c'est ce que je te reproche, tu sais que tu es sorcier, n'est-ce pas? Tu as une fois cherché à te faire délivrer. A lui qui a dit, est-ce que c'est à mon enfant, non, mais il y a une délivrance, non, à nous, pas doué. Tu as une fois cherché à te délivrer. Pourquoi? Hein? Elle n'a pas, Faut partir. Hein? Non, je ne délivre plus, il faut partir. Comme tu aimes la sorcellerie, il n'y a pas église où tu es quitté là, il n'y a pas église. Je te délivre pas. Je ne délivre pas. Tu aimes sorcellerie, non? Tu aimes sorcellerie? Tu aimes la sorcellerie? Tu aimes? Ah, je vous ai dit. Moi, je n'ai pas envie de te délivrer. C'est qui a entendu tout de suite là? Ça m'a choqué. C'est les petites toi qui me choquent. Une petite innocente. Les blancs n'ont qu'à la prendre. Ils n'ont qu'à la prendre. Hein? Vous, nos mamans là, au lieu de nous protéger, c'est vous qui nous gâtez. Protéger des gens. Un enfant le protège. Attends. Il n'y a pas quelqu'un? Elle n'a pas vu quelqu'un. Si elle avait vite appris votre nom, elle allait vite venir. Quand tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital. Ok. Donc quand tu as maladie sur ce lit, tu cherches. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherchais là, tu allais trouver. C'est toi qui es venu ici. Quand tu es venu ici, tu as dit que tu étais sorcier. Je te demande, quand tu es venu ici là, tu as dit je vois le prophète parce que je suis sorcier. Tu as dit ça? Agiada, non, est-ce qu'il y a un prophète? Pourquoi? Puis tu iras dans ma chambre et dans mon bureau, tu veux me montrer tes cordes parce que tu es forte quoi. Il faut aller te faire délivrer. Va délivrer. Tu me demandes pardon? Tu me demandes pardon. Tu as une maman, faut protéger tes enfants. Si ça ne va pas, tu dis à tes enfants que tu as la sorcellerie. Dis aux enfants que tu as la sorcellerie. Ils vont t'aider à te faire délivrer. Ou bien, tu as ça, tu caches. Tu caches à les gâtes. Tu quand tu as Kiki, tu couches avec ta fille. Tu l'as gâtée. L'honneur d'une femme, quand une maman là, se voit sa fille se marier. Ou bien? Hein? Oui. Ce que tu as fait là, il faut que je touche ton esprit pour que tu regrettes ça. De t'enlever. Moi, d'enlever tout. Quand tu mangeais là, c'est à moi que tu mangeais bien de l'homme. Hein? Quand quelque chose n'est pas bon là, on cherche à se faire délivrer. Tu es venu ici là, pour aller dire, je vais voir le prophète, parce que ce qu'il est en train de faire là, il y a ça, il n'a qu'à m'enlever. Mais tu t'étais. Les enfants sont en train de souffrir. Hein? Tu manges seulement l'homme, tu manges. Il n'y a qu'à te délivrer. Pourquoi? Ah, tes enfants qui sont restés. Tu ne vas pas manger. Elle dit, elle ne veut plus manger ce qui est resté. Tu ne veux plus manger ce qui est resté. Quand tu manges, ce n'est pas doux. Hein? Non, ce n'est pas bon, mais c'est doux. Vient de l'homme, ce n'est pas doux.
Elle et puis à bas. Bas dedans. Et puis bas. Bas, c'est sauce banane. Foutu de manioc. Foutu de manioc. Pelé, c'est sauce longueur. Tu es touché. Une maman. J'ai délivré les enfants. Faut donner ton cœur à Jésus. Tu connais Jésus? Tu connais pas Jésus? Lève ta main comme ça. Viens. Il faut n'a qu'à accepter. Faut dire que je prophète n'a qu'à accepter Jésus. Prophète n'a à mon que y a un coup n'a fait où? Tu veux marcher? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle accepte Jésus. Maintenant aujourd'hui là? C'est un anormal, à nous accepter. Parce que à pas de vous, c'est un mec qui a dit. À quoi bien? À chrétien, à chrétien. Non, non, laisse. Elle veut dire qu'elle est chrétienne. Sa fille en train de faire une morale, vous dit, pour laisser à ton histoire. Tu veux, faut accepter aujourd'hui. Dans l'embrie. Si tu acceptes Jésus, Jésus va nous aider à te délivrer. À mon père, il y a paix, il y a le morceau au pouvoir, il y a la délivrance, non? On dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte. Comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur. Et délivre-moi de la sorcellerie. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Voilà, maintenant là, je t'ai dit à te décrire. On va ensemble prier, Dieu va te décrire. Mais tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Il y en a beaucoup que tu as fait. Tu as fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, mais avant de délivrer, il faut parler aussi. Sinon, je suis d'accord maintenant à t'aider. Sortir de la sorcellerie. Tu vas réfléchir, on va te délivrer. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Au moins, il y a la délivrance, non? Je suis d'accord. Quand tu as accepté Jésus, on va t'aider. Amen.